tâche qu'on a fait. Ah, il y en a une moisie. Ouais, je la garderai pour toi. Ma tombe même bien. On essaie de faire une scène. 4. Part de là-bas, puis marche. Il dit, aujourd'hui, on va faire un smoothie bowl. Là, je vais te suivre comme une rapper, puis là, t'arrives dans la cuisine. J'ai des combos de moisie dans la main. Là, ça, c'est trop sec à ton là. Bonjour, aujourd'hui, dans l'épisode, nous allons faire un smoothie bowl aux framboises. Ça va être fou dans la tête. Marc me fait à manger, ça prend 45 minutes. Faire une chose que je fais d'habitude en 10 minutes. Mais c'est la joie de la chose, parce qu'en plus, je me fais servir. Mais j'ai fucking mal au sein, fait qu'au moins, je suis contente parce qu'il m'aide beaucoup dans la maison et je l'aime beaucoup. Une chance que je l'ai dans ma vie parce que sinon j'ai encore plus mal au sein. Ok, bye! Ça sent bon. Ouais, c'était vraiment de la mort. Ouais. Ça commence dans Nino Pacino. Nino Pacino. So 2000. Market 2009 coming at you hot. A little matcha tea. Bonjour à tous, aujourd'hui, ce matin, Kat avait me montré à faire des smoothie bowls. Présentement, je suis en train de tester mon nouveau stabilisateur, fait qu'on va voir si c'est vraiment smooth. Kat est là, elle commence à filer de mieux en mieux après son opération. Ah, 1, 2, on va voir Kat. Allô! Allô Kat, comment ça va? Très bien, j'ai de la douleur, mais on passe au travers. Je pense que je suis une tough, là. Just moi, c'est ça que tu faisais? Oui, une chance que je tough, une chance que je suis une petite tough. Puis j'ai le trapèze pogné. Fait que mardi, je pense qu'on va avoir une ostéomassothérapeute. Elle va essayer de me dépogner ça. Puis je réalise à quel point mes implants m'ont fucké la posture. Dans le sens que c'était comme lourd, puis ça m'a comme vraiment mis les épaules encore plus vers l'intérieur. En tout cas, je vais avoir beaucoup de rehab au travail, mais je vois ça d'un œil positif. Puis là, ce matin, je me fais servir. Sérieusement, vous direz, ah, c'est le fun de se faire servir. Mais moi, ça me gosse parce que je suis le genre de personne qui se lève le matin, fait le déjeuner pour Marc qui est en feu pis tout. Mais là, je vais me faire servir ce matin, je vais donner des ordres. Je vais expliquer comment faire. Puis c'est pas mal ça. T'es-tu prêt, Marc? Je suis prêt. Go! Donc là, ça, c'est le mode selfie. Vous avez vu comment ça tournait? J'espère que c'est bon. On va voir si c'est stable. Je vais juste faire le tour de Lilo. Ah, c'est vrai, je me sens. C'est bon ça, ça te ressent ton énergie. Je sais pas si je suis trop proche. Es-tu trop proche? Non, c'est parfait. Ah ouais? Ouais, ben tu coupes le toupette un peu. Ah, c'est correct, mes cheveux sont trop longs. Anyway. Bon, fait que là, on va faire ça. On va aller dans la cuisine. On était déjà dans la cuisine, mais c'est pas grave. On va commencer maintenant. C'est quoi la première étape? Mon Dieu, c'est intense tes transitions. Je pense que tu vas sortir les fruits congelés. Parce que si je pense qu'on va prendre les framboises bio congelées qu'on avait achetées, puis on va ajouter à ça de la protéine végétale. Également, on va mettre du maca, très bon pour la santé hormonale. Et je pense qu'on a aussi du acai powder, genre c'est des antioxydants. Puis parce que je suis en mode récupération, on va ajouter de la glutamine là-dedans. La glutamine, c'est un acide aminé qui est excellent. Mon Dieu, tu zoomes ma face. Non, non, vraiment les acides aminés, c'est ultra important pour avoir une bonne récupération musculaire, mais aussi au niveau cellulaire, ça va être beaucoup. Même si vous avez des problèmes intestinaux, c'est un supplément qui est super intéressant à ajouter. Parce que si on parle, là j'en entre trop dans les détails, là, mais la perméabilité de votre intestin, tout ça. Des fois, il y a des petits laits, on appelle ça un leaky gut, puis la glutamine va aider à réparer. On va mettre tous ces ingrédients-là dans le blender. On va pas mettre beaucoup de liquide, on va mettre juste un peu de lait d'amande. On va y aller graduellement pour garder une belle consistance. On va faire une soupe smoothie, si on peut dire. Est-ce que tu te rappelles de tout ce que j'ai dit? Non, moi je me concentre à filmer. Parfait. Et après, on va mettre nos toppings, comme d'habitude, avec des crèmes de chia. On va mettre des coconuts râpés. On va mettre des graines de citrouille. Vraiment genre au choix là, pour les toppings. On peut même rajouter des fruits. On a des framboises pas congelées, on va mettre ça là, ça va être super beau. Ça va me faire une belle décoration, chérie. On va commencer. Ouais, c'est parti. On va laisser passer le corps, fait qu'on va mettre la protéine de lait de même. Puis 4, elle va se prendre la protéine végétale. Parfait. La vitamine, le acai powder, puis le maca qui est. On a du maca. Acai. Tu sais, les graines de citrouille. Les graines de citrouille. Je vais la tremper. On va sortir le casseau de framboise pas congelé. Casseau de framboise non congelé. Le lait d'amande. Lait d'amande. Organique. Ça va trop lourd. Ok, parfait.
On va prendre deux batchs. Protéine vanille. Ok. Ok. Un. Ça donne un petit peu sucré le maca. Et c'est pas très bon. Ah, ok. C'est une chose que tu mets dans. Là, tu rajoutes du. Là, d'abord, je vais avoir juste, mettons, le un quart du. Chose. Continue. Stop. Ok. Vous avez à dire de ma performance pour l'instant? Ça va bien, t'es pas très patient quand ça se passe. J'ai pas de temps à perdre, moi. J'ai hâte d'avoir le mien. J'ai faim. On va ça. Le test de constance de Dairy Queen. Ça marche, on a passé le test. Wow! Oh tabarnan! Parle-moi de ça. Layer ça, là, fait genre. Hey, tu vas être bourré. Yeah! I'm gonna shit myself. Too much fibers. Woo! C'est une joke. Ah, bah, non, hein? Okay. Checkez-moi ça. Mais c'est tout beau, tout plat, genre. Ça, c'est du crémage à la framboise. Je vais prendre le sucre. Il a fait une petite ligne, genre. Que ça soit cute. Ah, oh, ouais, moi, il n'y a pas de ligne. C'est tout un tapon. T'aimes pas trop les chenottes, ça paraît. Ouais. Hey, c'est-tu beau, j'ai fait un cœur. Fais pas d'un cœur. Tu prends les petites berries. Ça, on va laver ça. On peut simplement les lancer. Ok, je sais. Hey, c'est malade de faire ça. Ça ne vole même pas nulle part. Ça, c'est la technique. Oh, oh. Here we go! Prête à manger, c'est très beau. C'est de l'or. Ça va être différent à chaque fois. Vous allez vraiment apprécier la nourriture encore plus. Vous allez avoir eu du plaisir. C'est ça le but, c'est de se faire rire. La vie bouge en émotion. Ouais, la caméra elle bouge aussi. Mais la caméra est contente, bien raide. Fais des petits oui de la tête. Elle a oui. Oui, c'est drôle. Marc, continue comme ça. Donc, sur un rate de 1 à 10, combien tu me donnes? 10. Sur 10. Parce que il est super bon. T'as mis beaucoup d'efforts. Puis je suis fière de toi que tu cuisines plus puis que tu essaies des nouvelles choses depuis que je te montre comment faire à manger. Marc a appris comment faire une guacamole l'autre jour. Il a appris comment faire du matcha latte. Il a appris comment faire des smoothie bowls. Hier, il a fait des blé d'Inde. Première fois de sa vie qu'il fait des blé d'Inde. Je suis vraiment fière de lui. Ok. On dit quoi? On dit bye! Bye! Bought some sort of invitation. Next never